Sumba, maka jam betul je. Nenek ni, kepala tu. Nenek ni. Bonjour Becca. Je m'appelle Delphine. Je suis donc médecin dans un projet de psychologue avec là, nous commençons la semaine avec le tour de salle habituel, les matins. Les patients sont encore sous perfusion. La première de la journée, ça débute à 10h. Très tôt, on arrive au bout, ça fait 2h que la perfusion coule. Et Becca, par exemple, ici, a l'air de la tolérer très bien. Ce n'a pas été le cas tous les jours. Surtout un début de perfusion, en fait, parce que ça fait mal au moment où le produit passe dans les veines. Alors si Becca dit que son trypanosome, son parasite aurait commencé à envahir son cerveau, donc on aurait pu assister à plusieurs tableaux cliniques, ça aurait pu être quelque chose, des problèmes moteurs, il aurait pu avoir de la peine à bouger ses bras, des problèmes de sensibilité aussi, des douleurs inhabituelles, sans raison. On peut aussi imaginer qu'il devienne fou, avec des épisodes psychotiques comme ça, des troubles du comportement justement. Et au long terme, on aurait assisté donc à une détérioration de l'état général, un coma jusqu'à la fin. Ça, c'est, la maladie est donc mortelle sans traitement. Nous sommes très contents qu'il soit venu se faire traiter. Là, il a très peu de symptômes, donc il va guérir très bien sans séquelles. Nous avons pu sensibiliser les gens à venir se faire dépister lors des séances de dépistage actifs. Pour les personnes positives, s'ils sont de stade 1, on cherchera à les traiter sur place dans un centre de santé local. S'ils sont de stade 2, par contre, c'est trop compliqué de les traiter sur place. Il faut venir chez nous ici. Nous avons les structures, nous avons le personnel. Et là, on va leur donner le traitement. Ce traitement lourd qu'on vous a présenté là ce matin. Donc ce traitement, c'est des perfusions de 2 perfusions. Ça pendant 14 jours. Par ailleurs, on nécessite un staff très entraîné parce que il faut contrôler sur l'état des veines. Le produit est en plastique pour les veines. Ça veut dire que ça demande beaucoup de travail. Sinon, c'est un produit qui provoque pas mal de secondaires, surtout la gastro-intestinaux, des douleurs au ventre, des diarrhées, des vomissements, mais le produit est un peu difficile à supporter. Ce produit-là est loin d'être parfait, il faut trouver mieux. C'est pourquoi l'étude est en cours, sponsorisée notamment par le ministère pour les médicaments des maladies négligées. C'est en fait une liaison thérapeutique entre ce produit ici que nous administrons actuellement, mais qui sera donné sur 7 jours, donc la moitié du temps, et un médicament oral qui s'appelle le Mitoquinox, que l'on donne actuellement pour traiter la maladie de Chagas et la trypanosomiase d'Amérique du Sud. Et ce traitement a plusieurs avantages. D'une part, comme il s'agit d'une combinaison, ça va diminuer les risques de résistance à l'épermétisme, qui est un risque toujours présent lorsqu'on utilise une thérapie. D'autre part, ça diminue le nombre de jours d'hospitalisation, ça diminue le nombre de jours de perfusion, donc ça augmente l'acceptabilité du traitement de la population. C'est un fait essentiel. Cette MSSU va participer à cette étude, à la phase terrain de cette étude, pour tester en effet la faisabilité sur le terrain de l'administration de cette thérapie combinée. Parce que le but en fait, à long terme, ce sera d'intégrer les activités dans les centres primaires. Et pour ça, il faut un traitement qui soit facile d'administration et qui soit bien accessible. Donc, on va.